Couturière du côté du PK8 de Libreville, d'un séminaire religieux à l'intention des femmes, justement, de l'église, l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon. Une initiative, bien sûr, de l'intendance régionale des femmes. Le reportage de Jean de Dieu Gomes. Être une maison de prière est le thème de ce séminaire religieux initié par l'intendante régionale des femmes de l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, zone sud, à l'intention des femmes de cette congrégation religieuse. Maison de prière, qu'elle devienne une maison de prière en tant que femme par rapport à la nation, par rapport à sa famille, par rapport à l'église et par rapport à tous les défis. Et nous comprenons bien que ces défis passent, que le décantement des situations passe par la prière. En prenant une part active au séminaire du PK8, les femmes chrétiennes sont sorties satisfaites. Jésus-Christ a dit qu'il avait tout accompli à la croix. Et pour être une maison de prière, donc il faut se débarrasser de tout ce qui encombre nos pensées, notre être entier, je veux dire, et aussi donner la gloire au Seigneur par notre manière de vivre. En tant que temple du Seigneur, du Saint-Esprit, nous avons besoin de regarder au ciel, pour ne pas dire au Seigneur, parce que c'est de lui que nous vient le secours. Ce sont 393 femmes qui ont été évangélisées, venues des localités de Kouk, Koukoubiche, Plenayemé, Kango. Après Libreville, le rendez-vous a été donné pour 2017 à l'église de Kango.